Bon, salut tout le monde, c'est la nouvelle acquisition de la ferme. Un nouveau fanneur, un fanneur Pottinger 2018. C'est un HIT 4.54T. C'est un fanneur de 18 pieds 6 pouces de large. On va vous montrer les particularités de la machine. En fait, la première affaire, c'est qu'il y a trois hausses hydrauliques. Il y en a deux qui servent à ajuster la machine en tant que telle quand tu es dans le champ pour que ça permette de revoler plus le foin. Puis il y a l'autre qui permet de la relever puis la descendre. Puis ils ont aussi mis des lumières qu'on pourra voir en arrière. Donc ici. Fait que les flasheux, tout est là. Ça, c'est le break. Fait que les flasheux. C'est une belle machine, c'est bien organisé. Une autre affaire, c'est ça, c'est on l'a mis en position plus de route, on va dire. Fait que pour la mettre en plus de travail, faut que tu lèves ça tout simplement. Tu pivotes ça de même. Et ta ferme comme ça. Et voilà, là elle est barrée. Fait que là, ça va juste abaisser ta machine, puis elle va tourner. Alors on peut voir que vu que les nouvelles machines, ça évolue d'année en année. Même tu pourrais partir ton fanneur comme ça, puis toutes tes coupies tourneraient. C'est un fanneur qu'on peut aller à 40 km/h avec le tracteur. Et elle a des gardes de sécurité. En fait, ce fanneur-là, avec les options qu'on a prises, c'est environ 10 000 avec le PTO 540. Et trois sorties hydrauliques et c'est ça. Alors merci de nous avoir écoutés.